Aujourd'hui, on est lundi, alors la plupart des musées sont fermés. Alors du coup, je vais aller découvrir un quartier mondialement connu. Si vous êtes prêts à le découvrir avec moi, attachez vos ceintures et suivez-moi. Quel est ce quartier de Séoul mondialement connu? Je suis sûr que vous le connaissez à 100%. Si je vous passe ceci, qu'est-ce que ça vous évoque? Open Gangnam Style. Voilà, vous l'avez reconnu bien évidemment, ce quartier, c'est Gangnam. Derrière moi, la statue qui commémore donc le fameux et célèbre titre de Psy, qui a fait des milliards de vues, je crois, si je ne me trompe pas, sur YouTube. Donc, des chansons les plus vues sur YouTube. Donc voilà, je vais vous montrer le quartier donc, de Gangnam, ici à Séoul. Donc c'est un quartier assez riche apparemment, parce que j'ai lu. Enfin bon, ça c'est pas primordial, on s'en fout un peu. L'important c'est de voir des beaux endroits.
derrière moi le Starfield Mall, une grande galerie commerciale, il y a énormément de boutiques et il y a également quelque chose de particulier, c'est la Starfield Library, donc une librairie vraiment exceptionnelle, je ne vous en dis pas plus. Je vous montre ça, je viens d'aller faire un tour déjà dedans pour me mettre un peu dans le bain et franchement ça vaut le coup d'œil. Je vous montre tout ça, suivez-moi. Je vous ai pas menti, c'était vraiment exceptionnel, j'ai jamais vu ça, franchement c'est immense. Bon, la moitié des bouquins sont, enfin la moitié, les 9 dixièmes sont en coréen, donc évidemment pas évident de les lire. Mais si vous êtes coréen, venez ici, vous installez, vous lisez votre bouquin, il y a des petites tables pour travailler éventuellement pour ceux qui ont envie de bosser ou chercher de la documentation, pour charger le téléphone, etc. Il y a des prises électriques, il y a tout ce qu'il faut, donc franchement, bel endroit. Franchement les coréens, ils assurent. Bon bah là, maintenant on continue la balade. On est de passer les 1000 abonnés sur la chaîne, donc je me suis offert une petite glace. Glace un peu spéciale ici, elle est faite à l'azote liquide, donc elle est refroidie à l'azote. Je vous mets d'ailleurs toutes les images après. Franchement, c'est délicieux, je pense. Excellent. Pas de grosse différence qu'elle soit faite normalement ou rafraîchie à l'azote, mais en tout cas, c'est bon. Donc pour le 1000e abonné, je ne sais pas qui c'est, un inconnu, mais bon, merci. Merci à tous pour les abonnements. Prochain objectif, bon, on va essayer les 2000, hein, ça va prendre du temps, mais bon, voilà, on arrive aux 1000 tous ensemble. Je vous remonte les images de ceci, je vous mets le prix également de ce pot, c'est un médium, il y a trois tailles, donc là j'ai pris le moyen. Donc voilà, je vous mets quelques images et on fait la conclusion de la vidéo juste après.
De retour à l'hôtel pour conclure cette vidéo. Donc après cette journée, le quartier de Gangnam, c'était vraiment sympa avec cette statue avec les deux mains là, comme dans le clip de Psy. À l'époque, je trouvais ça débile cette chanson quand c'est sorti. D'ailleurs, ça fait je sais pas combien d'années. Je vous mettrai d'ailleurs en dessous de l'écran l'année de sortie de cette chanson. Autant je trouvais ça débile à l'époque, autant maintenant je trouve ça vraiment pas mal du tout. Ouais, ça a son style. Et finalement, le gars, il a quand même lancé son truc et ça a super bien marché dans le monde entier. Donc finalement, tant mieux pour lui. Il a lancé un truc, ça a fonctionné. La librairie, c'était vraiment exceptionnel également. Franchement, incroyable tous les bouquins qu'il y avait, un truc de fou. Et ensuite, la glace, ça c'était vraiment spécial. J'avais trouvé ça sur internet, de toute façon j'avais des vidéos là-dessus, donc je voulais une fois y aller. Aujourd'hui, comme on a passé les 1000 abonnés, bah, c'était l'occasion de fêter ça par un truc spécial, donc une glace à l'azote. Enfin, à l'azote, elle est refroidie à l'azote, hein. C'est pas une glace faite avec de l'azote, bien sûr. Donc voilà, c'était une bonne journée, franchement super sympa. Laissez un petit pouce bleu en dessous de la vidéo si vous avez apprécié également. Je vous invite à vous abonner, hein, parce que c'est pas parce qu'on est arrivé aux 1000 abonnés qu'il faut s'arrêter maintenant. Donc ceux qui sont pas abonnés, cliquez sur le petit bouton, activez la cloche afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. On n'est pas encore au bout, je crois qu'on est à la 5e vidéo, il y en aura 13-14 je pense. Donc il en reste encore une petite dizaine ici en Corée, surtout à Séoul. Partagez cette vidéo et on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien, allez, ciao.